Bonjour. Je suis obligé de me lever pour pouvoir agir sur cette machine. Merci, c'était super. C'est très complémentaire de ce qu'on va faire là maintenant. Donc moi je suis psychologue, je suis spécialisé en neuropsychologie de l'enfant et en psychopathologie de l'enfant. Et j'ai travaillé au départ sur la question de la psychométrie, sur la conception des tests, l'utilisation des tests, ceux qui ne vous intéressent pas forcément, mais qui en fait sont absolument fondamentaux quand on aborde la question des besoins spécifiques, pour des raisons que vous savez, et justement pour éviter les parcours du combattant, les diagnostics à rallonge, etc. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la mémoire de l'enfant, les enfants et les écrans, beaucoup. Et plus récemment, mon travail a été d'évaluer comment les MDPH fonctionnaient en France. Un audit un peu généralisé de la situation. Voilà. Et je reviens à mes premières tendances qui sont la psychométrie appliquée bien sûr au potentiel intellectuel, pour savoir pourquoi ils poussent des hauts potentiels comme des petits champignons un peu partout. J'ai prévu de vous parler de deux choses. Alors, il est vrai que c'est court, 45 minutes pour évoquer tout ça, mais j'ai prévu de vous parler de deux choses. La première, c'est qu'est-ce qu'on entend en fait derrière toute cette avalanche des 10 TDAH, trucs et machin, précisément et scientifiquement. Mais à chaque fois en partant de situations d'enfants, de situations concrètes. Ça, c'est la première chose. Pardon, je suis un peu proche de vous. La deuxième chose, c'est de... Ce qu'on appelle finalement... La deuxième chose, c'est de vous proposer une liste de 10 points qui peuvent être intéressants pour accompagner le développement harmonieux. Très pratique, très concret. Mais avant ça, j'aimerais déjà savoir qui vous êtes. Alors, non, pas personnellement. Qui est là à titre de parent ? Je vais la poser dans un autre sens. Qui est professionnel de l'enfance. Voilà, parce qu'on peut être parent et professionnel de l'enfance depuis peu, on peut cumuler. Ok, psychologue. Non, on se connaît en plus, hein. Je crois. Bon, moi je vous connais. Ok, orthophoniste, psychomotricienne, médecin, enseignant. Ok, éducateur. J'allais oublier les éducateurs, ça ne faut pas faire ça. Deux, ok, j'oublie qui ? Oui ? Allez. Assistante sociale. Directrice d'un centre social. Assistante sociale. Institutionnel, DDCS, donc financeur. Ok. Ouais. Institutionnel département. Pardon ? Conseil départemental. Conseil départemental, d'accord. Donc, au financement ? Financement. Vous aussi, vous êtes pas mal. Pas mal, financement. Infirmière au conseil départemental. Infirmière, d'accord. Ouais. Administratrice dans son social. Ok. Sophrologue. Sophrologue. Psychopédagogue. Psychopédagogue. Conseillère d'insertion socio-professionnelle. On a fait le tour ? Et non, pardon. Et association d'enfants précoces. Association d'enfants précoces. Très bien. Et laquelle ? Entre atoprécocité et APDIS. APDIS et... D'accord. D'accord, ok. Bien, là on a fait le tour. Ben voilà, on a fini. Je vais commencer par vous parler d'un enfant. D'une enfant. Qui s'appelle Amélie. Je reçois un email d'une maman qui m'envoie un long email en me disant « Mon enfant a été diagnostiqué... » Oh, c'est dommage ça. J'arrive. Mon enfant a été diagnostiqué tout ça. Un dernier bilan dans un centre de référence met en évidence une dysgraphie et non une dysorthographie chez elle. C'est une enfant qui a 9 ans, 10 mois, et qui a été diagnostiquée tout ça. Vous devez avoir des équivalents dans le coin. Vous avez ce...
de cascade en quelque sorte. C'est à peu près partout en France. Je ne vous ai pas raconté toute ma vie, mais une grosse partie de mon travail, c'est de faire de la formation et de la conférence. Et donc, là, je pars en Guyane demain. Je retourne à Pau ce soir, via Paris. Et du coup, ça me permet de prendre la température un peu partout, en plus des recherches internationales qu'on fait sur cette question-là. C'est à peu près partout pareil. Donc, je ne m'avance pas trop en pensant qu'ici, vous pouvez avoir ce type de situation. Et depuis à peu près une vingtaine d'années, eh bien, on voit des enfants qui sont hyper diagnostiqués. On se demande à un moment s'ils ne sont pas surdiagnostiqués. Ah, et comme le disait très bien ton prénom, Sophie. Sophie. Ah oui, Sophie, Sophie. Comme le disait très bien Sophie 1, la MDPH nous demande des diagnostics pour pouvoir faire cumuler au taux d'éligibilité, pour pouvoir avoir des aides. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire-là? On a une réalité qui est une réalité, je dirais, clinique et scientifique aujourd'hui, dont je vais vous parler, et une réalité qui est socio-administrative, qui n'est pas forcément la même. Et il faut pouvoir manager entre le trop d'étiquettes qui aboutit à ne pas aider l'enfant, ou alors le pas assez, mais dans ce cas-là, qui bloque son parcours. C'est très délicat, c'est une drôle de période qu'on vit. Je pense, ouais, hein. Je pense que la clé. On va trouver de la distance idéale, hein, cher collègue. Ouais, c'est ça. La clé, c'est avant tout de se poser une question sémantique. C'est de quoi on parle quand on utilise tous ces gros mots. Et quand on utilise ces questions de troubles qui engendreraient des besoins spécifiques. Je mettrai le haut potentiel tout à fait différemment. On sait aujourd'hui qu'on parle de besoins spécifiques sur le haut potentiel, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des enjeux spécifiques et que ce ne sont pas des besoins. Mais bon, on pourra pinailler sur les termes si ça vous intéresse. Bien, elle a été diagnostiquée tout ça. Super. Donc elle a, je traduis, elle a à la fois la peste, le choléra, la syphilis et un bureau de tabac. Ok. Et les différents professionnels qui s'occupent de cet enfant sont très surpris et conseillent un nouveau bilan au centre de référence pour les troubles du langage. Ça, je le fais. Vous, c'est Montpellier. Oui. Vous avez un très bon service à Montpellier. Des gens très compétents. Vous avez de la chance. Vous êtes plutôt très bien servi. Mais vous avez une liste d'attente qui dure combien de temps? Entre 2 et 3 ans. Cool. Bien. Et les différents professionnels qui s'en occupent, c'est qu'il y a une ergothérapeute spécialisée une orthoptiste spécialisée en audiovisuel, une orthophoniste qui rééduque la dyslexie, vous avez compris, et l'autre qui rééduque la dyscalculie, parce que tout ça c'est de la microchirurgie. Bien, et l'enfant rencontre une psychologue pendant les vacances scolaires. Pourquoi? Hein? Parce qu'elle n'en peut plus, exactement. Parce que ça patine, ça n'avance pas. Elle se dit vraiment qu'avoir autant de professionnels, elle doit vraiment être très très handicapée. Petite confiance en elle, avec une fratrie en plus un peu péchue autour d'elle, avec d'autres qui sont plutôt brillants. Du coup, ils lui mettent la tête sous l'eau, c'est la question de la fratrie. Hein. Et donc elle va pas bien. Et dans cette même logique d'hyper-consultation et de rééducation, on consulte une psy pendant les vacances scolaires. C'est typiquement ce qui se passe à peu près partout en France. On a une très forte tendance, depuis quelques années, au surdiagnostic, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein. Au surdiagnostic et à la surrééducation. Je suis très partisan de miser au maximum du maximum sur la parentalité et d'agir au maximum du maximum dans le quotidien, voire plus. On essaye d'initier tout un mouvement là au travers d'un nouveau label qui va s'appeler Poulpito et qui aura pour postulat non pas de réparer des enfants cabossés, comme ça nous arrive tout le temps, mais de construire des enfants qu'on n'a pas besoin de réparer. Ça peut être intéressant, ça, hein? Et pour ça, il faut radicalement faire un effort d'inversion de notre système et de notre regard. Vous allez voir dans les 10 petits conseils que je vais vous donner tout à l'heure. Mais avant ça, afin d'être bien calé sur cette question des besoins spécifiques et des différents troubles, je vais vous parler très rapidement d'une nouvelle manière de nommer ces troubles. Et le problème de base est sémantique. Qui connaît ce monsieur? Il est ouvrier modèle sur un chemin de fer. Excusez-moi, c'est un cheval. Il est ouvrier modèle sur un chemin de fer et il construit des explosifs avec sa barre à mine. La barre à mine lui transperce le cortex orbitofrontal. Bien.
il ne meurt pas, et un beau jour, on le réhabilite sur le monde du travail. Et là, on se rend compte que Phineas Gage n'est plus Phineas Gage. Il est devenu irascible, il est inattentif, il ne mémorise plus, il saute sur les femmes dans la rue. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir ? Le syndrome, merci, heureusement qu'il y a un docteur ici. Le syndrome frontal, ou enfin, trouble exécutif, chez l'enfant. En fait, on fait deux découvertes. On découvre premièrement que cette partie-là de notre cerveau est le chef d'orchestre de tout notre appareil cognitif. Ça va aller ? Parce qu'elle rigole. Ça, c'était pour ne pas vous afficher. Et le chef d'orchestre de tout l'appareil cognitif. Mieux que ça, cette partie de notre cerveau nous sert à filtrer les informations sur lesquelles on ne veut pas engrammer pour avoir une acuité de la conscience sur ce qui nous motive. L'attention, c'est avant tout du filtre. Et c'est très préfrontal. Okay ? Donc on est en train de découvrir, super, un, que le filtre c'est hyper important. Aujourd'hui c'est la star de sciences cognitives, cortex préfrontal et ce qu'on appelle l'inhibition, le filtre. Deuxièmement, les cerveaux des adultes sont spécialisés. C'est-à-dire qu'on a des zones du cerveau qui traitent, qui sont spécialisées dans certaines informations. Bien. Et c'est comme ça qu'on découvre les aphasies, avec ceux qui reviennent du front, qui ont perdu le langage. Les apraxies, ils ont perdu l'automatisation des routines motrices. Les acalculiques, etc., etc. Les alexiques, c'est ce qu'on appelle à l'époque des minimal brain damage. Je vous passe les raisons médicamenteuses, mais on a eu un glissement et on a glissé chez l'enfant vers les minimal brain dysfunction. C'est la naissance des 10 sur la base d'une catégorisation d'adulte, comme si le cerveau de l'enfant était un cerveau d'adulte en miniature. Et c'est là que va baisse. Parce que fondamentalement, ça ne peut pas être mis au même étage. Et ce n'est pas comparable. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginez un enfant qui rentre de l'école en moyenne section vers l'âge de 4 ans, 5 ans. Et qui... Vous allez être mon enfant. Et vous avez comment ? Véronique. Super, Véronique. Et qu'est-ce qu'il dit ? Son enseignant lui a appris à compter le jour même. Il rentre et il dit « Maman, maman, j'ai appris à compter aujourd'hui. » Alors il dit « D'accord, vas-y, compte. » Que dit l'enfant ? Que dit Véronique à ce moment-là ? 4 ans, 4 ans et demi, on n'est pas à 3 quarts d'heure près. Hein. Allez-y. Voilà. Super. Bonne réponse, Véronique. 1, 2, 4, 6, 5, 8, 13, 8, 5, 3. Il récite un ensemble de mots nombres dans un ordre anarchique et instable. D'accord ? Bien, que dit sa maman ? Mais non, c'est pas ça. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une maman qui aime ses enfants ici ? Bravo, ma chérie. Merci. Et ensuite, elle redevient. Non, mais c'est la réalité. Et quand l'enfant, regarde, quand l'enfant commence à dire mama, papa, bravo, consensus. Vous ne reconnaissez pas l'enfant en lui disant non, maintenant on dit parent 1 et parent 2. Ça, c'est un bon thème pour le prochain. Tiens. Bien. Je deviens hystérique. Hein. Mais c'est, bravo, tu comptes, mais c'est super, Véro, bravo. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Hein. Ok. 1, 2, 3, 4. On fait tous à peu près ça. À peu près. Vous êtes moins hystérique que moi, mais je suis spécialisé en développement du nombre. Donc, bien. Que fait l'enfant ? Il répète. Hein. Premièrement, l'enfant. Comme le bébé, la première fois qu'il fait mama par hasard, et qu'en face, il voit sa mère qui devient hystérique, quoi, ou son père. Le bébé, il se dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, je la retente, regarde. Ah ben, ça marche encore. Elle est toujours. Super. Et c'est comme ça. C'est par le biais de la relation que l'enfant va faire l'effort d'être attentif. Et attendez, il est 17h30, Véronique, elle rentre de l'école, elle est limite cramée du bulbe, elle a autre chose à faire que de... d'écouter, de refaire ce qu'on a déjà fait à l'école. Si, si, elle le fait. Parce que par le biais de la relation, la maman ou le papa induit, l'adulte, l'éducateur, si vous voulez, hein, induit de la motivation qui va faire qu'elle fait l'effort de filtrer pour maintenir la focalisation de la conscience. Ensuite, l'adulte ajuste la charge cognitive. Vous avez vu, j'ai dit 1, 2, 3, 4. On fait tout ça après, ça, on s'arrête à 4 au début.
Parce qu'on sait que le 1, 2, 3, c'est un groupe, et ensuite le 3, 4, c'est autre chose. Et c'est déjà beaucoup, 1, 2, 3, 4. On n'est pas en train de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on sait très bien qu'on le perd. Donc on ajuste spontanément la charge cognitive en mobilisant strictement le canal auditivo-verbal. On n'est pas en train de faire de la manipulation ou du montage digital. Hein. Non, non, là on est sur l'automatisation de la suite numérique, c'est-à-dire le premier des principes découverts par Gell-Mann et Gallister en 1987. Personne ne l'a dit à la main. Personne ne l'a dit à la main. Bien, elle mobilise le canal auditivo-verbal pour faire quoi? Pour faire ce qu'on appelle dans le monde de la mémoire de la répétition-consolidation. Le tout pour procéduraliser, c'est-à-dire envoyer en mémoire à long terme, la mémoire des automatismes. C'est hyper technique, en fait. La maman devient experte en neurosciences appliquées. Et on fait tous à peu près ça. Voyez. Et je viens de vous donner la recette, non seulement pour comprendre, vous allez voir, pour comprendre par vous-même fondamentalement ce que sont ces différents troubles neurodéveloppementaux hors déficience intellectuelle et autisme. Que sont les différents troubles neurodéveloppementaux. Et vous allez voir, du coup, ajuster, savoir comment on ajuste. Mais vous avez là une recette. Motivation. La motivation. Par le biais de la relation, du regard de l'autre, ce qui construit par ailleurs la confiance en soi. Permet la mobilisation de l'attention, de la concentration. Qui va permettre la mobilisation du canal auditivo-verbal. Qui va servir à construire du nombre. Et ensuite, un peu plus loin, une fois que l'enfant sait dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer à un autre stade. Alors, bien sûr, les stades ne sont pas aussi linéaires que ce que je vous décris là. Et on va passer à 1, 2, 3, 4. Et jusqu'à un certain âge, l'enfant va dire 12. Et on lui dit, ah bon, mais dis-moi, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 12. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 12. Et ça peut durer pendant des heures. Vous avez déjà fait le test. C'est parce qu'il y a un autre principe que l'enfant n'a pas encore acquis, qui est le fait que le dernier mot nombre prononcé caractérise la quantité d'objets en présence. C'est ce qu'on appelle la cardinalité. Je ne vous embête pas plus longtemps avec le développement du nombre, parce que j'ai une question. Imaginons un enfant qui présente une difficulté, un retard auditivo-verbal, problème d'audition, bilinguisme mal géré, carence juste sur le plan relationnel, et que du coup, dans ce niveau langage, il est plutôt très fragile, beaucoup moins fort que les autres, en retard. Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, c'est peut-être un peu plus dur que les autres, c'est peut-être un petit peu plus lent que les autres, c'est peut-être un petit peu plus insécurisant que les autres. Qui ici se considérait comme matheux? Bon en maths, pas forcément statistique. Hein. Docteur, non? Ouais, ok, 1, 2, 3, docteur. Et, ok, on va voir qui sont les autres. Il se passe avec l'exemple du langage, c'est exactement ce qui s'est passé avec Amélie. Amélie, dyscalculique, ça ne veut strictement rien dire. On l'a montré depuis longtemps dans la revue Annae, numéro 102 et numéro 120 de la revue Annae, l'affaire est réglée. Qu'est-ce qui se passe pour Amélie ou pour un enfant qui présente un retard ou un trouble du langage? Eh bien, 5, 7, c'est un peu insécure. 6, 8, 10, c'est un peu insécure. Alors même que pour notre collègue ergothérapeute, hein, psychomotricienne, pour elle, les maths, c'était super, c'était motivant, c'était agréable, c'était un sport, et on fait des maths, à la fin, on sort de son contrôle de maths, on sait qu'on a 16 ou 18, on a 16 ou 18. C'est fini. Et on attend que les maths reviennent, et c'est sympa. D'accord? Les matheux. Et maintenant, il y en a d'autres pour qui les maths, ben c'est un peu insécure. On ne comprend pas très bien toujours d'où ça vient, ni où on veut en venir. Ce chapitre-là, on a un peu compris, mais pas tout. Un coup, on sait qu'on a 6, un coup, on va peut-être avoir 10, un coup, on va avoir 18. On préfère quand même regarder dans le regard de l'autre pour voir ce qu'il en pense, parce que je ne suis pas tout à fait sûr de mon coup. Et on a un peu une petite anxiété parce qu'on se dit que les maths, c'est pas trop pour nous, donc on attend que le contrôle de maths y passe et ouf, pourvu que ça ne revienne pas les maths. Qui a ressenti ça à l'école? Beaucoup d'autres. Voilà, c'est la symptomatologie typique d'enfants qui débutent mal avec le nombre. Mais le problème pour cela, en fait, c'est que dès le début, ils sentent que ça accroche. Et ils avancent dans les maths avec insécurité, en apprenant les maths par paquet, en regardant dans le regard de l'autre, en plaquant des procédures, ça en trouve beaucoup du plaquage de procédures.
Donc, alors que par définition, les maths, c'est une structure stable, invariante, qui se construit en développement et qui est sécure, et potentiellement très sécurisante. Okay. Avec l'exemple que je viens de vous donner, il n'y a pas mieux pour fabriquer des enfants qui développent des petites lacunes, etc., et qui arrivaient à l'âge de Amélie, vous leur demandez d'écrire 96, et écrire 4, plus loin 20, plus loin 16. Et puis la fois d'après, elle écrira peut-être autre chose. Vous voyez ? Mais le problème, ce n'est pas les maths. Les maths, ça n'est qu'un symptôme. Le problème, c'est le langage. Et on ne nomme pas une pathologie par un symptôme. Amélie qui consulte pour des problèmes en maths, je vais dire, j'ai compris ce qu'elle a. Elle est dyscalculique. D'accord ? C'est exactement comme si vous consultez le docteur parce que vous toussez et qu'elle vous répond, j'ai compris ce que vous avez. La toux. C'est exactement pareil. Et avec la dyslexie, c'est exactement pareil. Et la dysgraphie. Exactement pareil. Le problème, ça n'est jamais l'écriture. Le problème, il est peut-être... Alors, il y a des enfants qui ont des problèmes auditivo-verbales qui se répercutent sur la fluence et la rapidité avec laquelle ils réussissent à activer des mots. Mais comme ils sont en train de conscientiser la construction d'une phrase ou d'un truc, du coup, ils sont tendus. Et l'écriture devient difficile à lire. Vous avez des enfants sinon qui ont un problème d'automatisation des routines motrices, ce qu'on a longtemps appelé les dyspraxies. Et dans ce cas-là, à nouveau, le problème, ce n'est pas l'écriture. Le symptôme, l'écriture n'est qu'un symptôme. Vous comprenez ? Et pour la lecture, c'est pareil. Il y a eu des débats sur la dyslexie. Toute une école de pensée qui disait « Moi, je connais la dyslexie, je sais, c'est phonologique, c'est un problème langagier. » Vous voyez ? Ok ? Et puis, il y a une autre école de pensée qui disait « Mais non, hérésie ! Et une hérésie, même ! » La dyslexie, c'est visio-attentionnel. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient tous les deux raison. Il y a 60 à 70% d'enfants dits dyslexiques, alors des vrais, hein, pas des diagnostiqués sur un coin de table, quoi. Qui sont un problème phonologique ou conséquence de langage, et 30 à 40% qui sont avec un problème visio-attentionnel. C'est normal, vous avez besoin de ces deux ingrédients pour lire. Okay. Ce qui fait qu'en fait, ça ne sera jamais que des symptômes. Donc, on ne va pas leur donner des noms de pathologie. Ce ne sont pas des diagnostics en soi. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez compris tout le reste. Officiellement, notamment avec la publication du dernier manuel statistique diagnostique aux États-Unis, le DSM-5, qui fait un peu autorité, même s'il y a beaucoup de choses à redire, officiellement, au sein des troubles neurodéveloppementaux, il y a un, la déficience intellectuelle, c'est le retard global, généralement. Bien. Deux, les troubles du spectre autistique, toute la confusion interne, mais si vous avez des questions, vous pouvez. Alors, je voulais vous dire, faites comme avec elle, vous me posez des questions, hein. D'accord. Je suis vraiment méchant, j'en ai un. Trois, les troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Quatre, troubles développementaux du langage. Cinq, troubles développementaux de la coordination. Ça, ce sont les appellations officielles. Okay. Et la sémantique des 10 est appelée, en fait, à disparaître. De fait, un, parce qu'elle repose sur une cartographie adulte qui ne fonctionne pas du tout bien. Deux, parce qu'elle mélange les symptômes et les pathologies. Et trois, parce que dans le monde entier, personne ne parle de 10. Et la France était irréductible village gaulois. Oui, c'est particulier. Hein. Et il faut savoir qu'avant, on a une histoire dans l'étude de l'esprit, du mental. Et après Descartes, il y a eu deux courants qui ont étudié l'esprit. Un qui était très littéraire, l'autre qui était très mathématique. Passion, raison. Et le courant littéraire a abouti à la psychanalyse au XXe siècle, qui a été complètement hégémonique, un règne sans partage de la psychanalyse en France. Alors, je n'ai strictement rien contre la psychanalyse, je rassure, j'en ai fait moi-même, mais il y a des outils théoriques qui sont plus aptes à comprendre certaines problématiques. Et avec les problèmes de cerveau, la psychanalyse, ça ne marche pas bien. Et on a fait des erreurs en psychanalyse pendant des années. Et d'une certaine manière, les neuros ont pris leur revanche sur les psychanalystes au tournant des années 2000, et tout est devenu 10, process, test, etc., etc. Mais on ne s'est pas posé, et on se pose encore très peu, la question de la manière dont on nomme les choses. Car comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et à partir de là, on a créé les centres de référence avec une sémantique qui ne fonctionnait pas. Les centres de référence étaient censés accueillir des enfants qui présentaient des troubles neurologiques, avant tout du langage,
Et à cause de la sémantique, ils ont accueilli l'échec scolaire, la misère sociale et la psychopathologie de l'enfant. Et voilà pourquoi ils sont invités à ce point. Et voilà pourquoi on vous parle des niveaux 1, niveau 2, niveau 3. C'est une solution politique pour diluer les flux. Bref. Est-ce que vous avez des questions arrivées à ce stade? Oui. Moi, j'ai une question. Si on parle du principe que les 10, c'est un espèce de mélange de symptômes et pathologies. Je vous entends, pardon. Si on parle du principe que les 10, c'est un mélange de symptômes et pathologies, parce que moi, je suis confronté au problème, c'est-à-dire que ma fille a été détectée multi-10 de 10, et il y a un mois ou un mois et demi, elle a été détectée TSA. Donc, en fait, et là, on m'a dit, mais en fait, les 10, ça se trouve, c'est des trucs TSA. Mais où ça n'a pas été clair dans le diagnostic, c'était est-ce qu'il restait des troubles de 10, donc ça n'a pas très vite, non. Mais si c'est considéré comme symptôme de pathologie, moi quand j'ai, je ne vais pas parler de la grippe, mais quand j'ai une angine, je vais voir le médecin va me donner des médicaments. Dans le cas de troubles de 10, c'est de la même chose. Dans le cas de troubles de 10? Oui, qui est, si on parle du principe que ce sont des pathologies, si ce sont des symptômes de pathologie. Je pose la question parce que là, d'un seul coup, ça m'a interpellé quand j'ai eu le diagnostic TSA par rapport à cette problématique, justement, qu'on me dise ça existe plus. Je suis prêt à l'entendre, mais je me dis, s'il y a quelque chose qui. Là, j'ai loupé un épisode. S'il y a quelque chose, quoi ? Là, j'ai loupé un épisode par rapport à l'explication. Parce que si vous me dites que les troubles de 10, c'est une pathologie, j'ai aucun problème avec ça, mais ça veut dire que. C'est pas dire que ça peut soigner, mais ça veut dire qu'en faisant certaines choses, ça doit pouvoir s'améliorer. Alors, techniquement, vous allez tous prendre, je vais répondre à votre question par une expérimentation. Tous ceux qui ont un crayon, vous prenez votre crayon avec votre main non directrice. Donc les gauchers avec la main droite, les droitiers avec la main gauche. Attendez avant de rigoler, c'est même pas ce qu'on va faire. Ok. Quand je vais commencer à. Oh, c'est sympa, vous mangez peut-être 3 à 5 minutes. Quand je vais commencer à taper dans mes mains, vous allez devoir écrire un mot que je vais vous dire. Mais il faut compter en même temps le nombre de fois où je tape dans mes mains. Ce test se déroule en deux phases. Ça, c'est la première phase. Et ne faites pas vos chochons. Très bien. Le mot. En fait, je vais passer le micro. Le mot, c'est gratouflant. Alors, j'ai compté 15. Combien? Bravo, super. Moi, j'avais pas compté moi-même. Super. C'était déplaisant, lent, sous contrôle attentionnel, très difficile de faire deux choses en même temps. Est-ce qu'il y a en jeu ici? Deuxième partie du test. Vous allez tous vous allonger à plat ventre sur le sol. Visez vos poches. Non. Vous allez prendre votre crayon dans votre main directrice. Et là, quand je commence à taper dans mes mains, vous allez écrire votre nom et votre prénom. Attendez. Ça, c'est les anxieux. On y va. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est quoi la différence? Il n'y a pas à réfléchir du jugement. Oui, absolument. C'est l'automatisation. Les troubles, ce qu'on appelle les troubles 10, donc en fait, il n'y en a pas. C'est pas ça, ça vous oubliez. Ça, c'est en échec partout. Pour les raisons que je vous ai expliquées, en fait. Bon, ça, c'est pareil, c'est des schémas qui ont pu être utiles à une certaine époque, mais qui aujourd'hui sont devenus. Qui sont désuets, quoi. Les troubles 10, on en a 3 en fait. Ce sont des entraves neurocognitives durables et persistantes
qui empêche l'automatisation de procédures. Oui, les entraves cognitives durables ou persistantes qui entravent l'automatisation de procédures. Alors, les gauchers contrariés peuvent ressembler du coup à des enfants qui ont un trouble, oui. Mais relèvent en fait d'une origine tout à fait psychoaffective, donc ne sont pas considérés comme ça parce que ça n'est pas une entrave neurocognitive. Et ça va être très important d'être hyper rigoureux sur cette sémantique, parce qu'ensuite il faut savoir quels enfants présentent véritablement une atteinte neurocognitive et lesquels non. Parce que s'ils ne présentent pas de problème neurocognitif, ça veut dire qu'il faut comprendre la dynamique profonde de leur problème. Peut-être qu'il a vu son chien se faire écraser à l'âge de 4 ans et qu'il est traumatisé. Peut-être qu'il est carencé affectivement. Peut-être qu'il vient d'un orphelinat en Roumanie où il était tout seul dans un berceau parce que c'était qu'un tube digestif. Peut-être qu'adopté en Russie, sa mère était alcoolo-tabagique. Peut-être que ça peut être... plein de choses. Peut-être qu'il y a un problème avec la sexualité de l'arrière-grand-mère. Ah, oh, hein, mamie. Comment ça s'est passé à la libération, hein? Bon. La sexualité de la grand-mère. Bah, toujours, en fait. Tout est 100% génétique, sur 100% psychologique et relationnel, 200% complexe. Oui, madame la psychomotricienne. Monsieur le psychologue, comment on détecte une entrave neurocognitive grave et persistante? En faisant une enquête très minutieuse, où surtout on ne va pas chez l'ARCTO, chez l'ARGO, chez le psychomote, chez le truc et le machin. Ça s'appelle du bilan à la hache. C'est ce que font les Américains en Irak. Ils arrosent comme des fous, ils réfléchissent après. Ça marche pas. C'est un échec partout. C'est le bilan ce qui veut dire. Comment? Vous parlez d'une enquête très précise. Je vous parle d'une enquête, d'une vraie enquête, où tous les détails comptent, et où il faut qu'il y ait une étape généraliste en premier, avant d'approfondir avec une étape spécialisée. Or, vous, en tant que psychomote, on vous attend comme spécialiste, là, particulièrement. On ne vous attend pas du tout ici sur la sphère langagière. Il n'y a pas d'ortho, mais les orthos, on les attend très fort là. Ok ? Et un psychologue généraliste, on l'attend où ? Et avec son bilan, il va faire quoi ? Vous avez des tests très précis pour faire ça. L'ortho, elle a des tests très précis pour faire ça. Et moi, si je ne prends pas de casquette de spécialiste en neuropsy ou en psychopatho, je suis un psychologue généraliste. Et je vais regarder l'ensemble. Ça prendra beaucoup moins de temps que d'aller chez l'un, chez l'autre, chez le truc, chez le machin. Certes, il y a tout le problème de remboursement si vous consultez en libéral qui est vraiment compliqué, mais là, il y a des mesures qui commencent à arriver, même si elles ne sont pas très pertinentes. Mais ça peut vous faire gagner de 2 ans ou 3 ans de parcours du combattant, de surdiagnostic, de suréducation. Parce que si vous envoyez chez Ergo, Ergo, elle peut vous dire « Ah, je vous fais mon diagnostic Ergo, pour moi, c'est un TDC, trouble développemental de la coordination, ancienne dyspraxie. » Et puis ensuite, vous allez envoyer chez la neuropsy, bien sûr, puisqu'il est inattentif, donc on va avoir une neuropsy. Et bien, la neuropsy, elle va vous dire « Ah, je pense qu'il y a un trouble de l'attention. » Non, mais elle a pris cette lunette-là, vous comprenez? Elle a surexposé avec ses tests cette fonction-là. Et puis, le langage, ça va pas, je pense qu'il y a une dyslexie. Hein. Ok. Et on ressort de là, chacun avec un diagnostic. Et bien sûr, quand il y a un diagnostic, il faut donner une rééducation. C'est logique. Hein? Donc, clac, clac, clac. Et on finit avec Amélie. Qui le lundi va chez l'ortho, le mardi chez l'ergo, le truc et le machin, qui s'effondre, et du coup, qui va moins bien. Je vous donne le fin mot de l'histoire. Amélie, ce qui lui a permis de remonter la pente, ça a été de faire du hip-hop 2 fois par semaine. On a arrêté certaines rééducations qui ne servaient strictement à rien. Et elle a fait du hip-hop 2 fois par semaine. Donc, un bilan au départ généraliste, où je pense qu'il y a 3 professionnels qui sont très importants à mettre dans la boucle, autour de la famille, bien entendu, et avec l'enfant au cœur du dispositif. Hein, enfant, le cercle bleu, famille, un médecin, c'est important, c'est comme les affaires de santé, et de plus en plus, les médecins généralistes et les pédiatres sont convoqués sur cette question des troubles neurodéveloppementaux. Il y a une circulaire très importante qui est passée il y a près d'un an, et ça va être eux qui vont être organisés le dépistage. Ça va, c'est libre. L'enseignant ou éducateur, enfin, qui voit l'enfant dans son environnement, et le psychologue qui va faire son enquête de psychologue. Très important de faire une belle anamnèse, c'est-à-dire reparcourir l'histoire de l'enfant.
parce que c'est là qu'on va avoir les indicateurs neurologiques, particulièrement avant la grossesse, pendant la... Surtout pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et quelques jours, semaines et mois après l'accouchement. Et tout sont suspects, tous les facteurs susceptibles d'impacter le développement précoce du cerveau du bébé ou du fœtus. Oxygénation, cordon ombilical, barbure, cyanose importante, arrêt cardio-respiratoire, tout ce qui concerne l'oxygénation du cerveau, précoce ou interfétale. Chute, choc, bébé secoué, trauma, épilepsie, on fait super attention. Prématurité, bien sûr, facteur le plus souvent retrouvé, la préma. Et plus la préma est importante, plus le risque de troubles cognitifs sont importants, sachant que là, on réussit à récupérer des bébés de 22-23 semaines. Hein. Comment ? Donc si on est interpellé par l'enseignant, par exemple, à faire un bilan, vous ne conseillez pas d'aller voir un orthophoniste ou un ergo, d'aller voir un psychologue ? Idéalement, dans la méthodologie d'évaluation idéale, peut-être qu'elle est très bien votre ortho, qu'elle fera super bien le boulot et l'ergo aussi, mais ce qu'on observe beaucoup aujourd'hui, c'est justement le fait de s'attacher aux symptômes. Et alors, imaginez, l'ortho est spécialisée vraiment en langage. Imaginez que c'est un problème visuo-attentionnel et qu'elle n'a pas cette hypothèse-là. Elle peut y passer des années. Hein. Ou est-ce que c'est peut-être un problème juste attentionnel, frontal? Elle peut y passer des années. Et ça, on en a plein, des enfants qui ont eu des parcours de 3-4 ans de rééducation, où le professionnel y allait, s'acharnait, finalement lâchait un petit peu l'affaire, et au final, on fait un bilan et on voit que non, elle n'avait pas du tout dyslexie, dysgraphie, dyscalculie. Elle avait une problématique phonologique qui impactait l'automatisation des procédures. Donc il fallait l'aider comme une enfant qui présente des difficultés d'automatisation de procédures. En revanche, il y a de grandes chances que cette particularité cognitive, elle la garde pour la vie. Et ça, c'est pas un problème. Moi, c'est pas un problème. À partir du moment où, et c'est le deuxième point de mon topo, on regarde en permanence, et c'est très dur, je le sais, on regarde en permanence, et on se force à regarder le verre à moitié plein. Et ça, c'est très, très dur. Est-ce que ça pourrait pas être un pédopsychiatre? Pourquoi pas un pédopsychiatre à partir du moment où il se place en médecin généraliste? Et s'il prend uniquement sa grille de lecture pédopsychiatre pour n'étudier que la santé mentale de l'enfant, ben on étudie que la santé mentale de l'enfant et on trouvera peut-être qu'effectivement, avec l'arrière-grand-mère, avait des problèmes sexuels. Okay. Et par ailleurs, si on n'a pas bien checké la question de la prématurité, tous les indicateurs neurologiques précoces, les âges d'acquisition de la marche, les âges d'acquisition et du langage en même temps, on se prive de tout un faisceau d'hypothèses. Or, au départ, les hypothèses, elles sont infinies. Et nous, notre travail, c'est de réussir à avancer en raffinant les hypothèses et en arrivant à la fin en se disant « j'ai une hypothèse forte ». Je pense à 99,9% que c'est une problématique neurologique. Et ensuite seulement, on fait passer des tests si besoin. Et pas n'importe quel test. On fait passer des tests généralistes. Ça, c'est que des tests généralistes. J'ai pas le temps de développer, mais c'est le bilan psychologique classique avec l'enfant qui est très bien documenté en France. Mais attention, il y a une très grande hétérogénéité dans la formation des petits. Il y a des universités qui ne forment pas du tout leurs étudiants. On a l'impression que c'est facile. Oh, c'est des tests, c'est comme des questionnaires. C'est hyper technique, en fait. Et c'est très difficile de faire de la clinique avec des outils comme ça, standardisés. C'est très difficile. Souvent réduit à la question du QI, c'est un stéréotype un peu ridicule. Parce que le QI est un indicateur assez grossier, en plus, parmi beaucoup d'indicateurs. À commencer par l'observation, l'anamnèse, l'entretien semi-directif. C'est tout un boulot, cette question de l'évaluation. Mais je vous recommande vraiment au maximum de passer par une évaluation généraliste avant, ensuite, parce que ça nous permet notamment de mettre en évidence potentiellement des dissociations dans un profil cognitif, c'est-à-dire des écarts significatifs ou non entre, par exemple, des processus verbaux et des processus non-verbaux. Après, nous, une fois qu'on est formé, qu'on a l'habitude d'utiliser tout ça, on se repère très vite. Mais on quantifie, par rapport aux autres enfants de son âge, comment l'enfant est développé dans son efficience verbale. Comment est-ce qu'il est développé dans son efficience non-verbale? Comment il est développé dans sa rapidité visographique? Et en fonction de ça, si on avait une hypothèse de trouble neuro, avec ça, on passe pas à côté et on dit « Ok, maintenant je peux approfondir et je t'envoie chez l'orthophoniste parce que là j'ai une hypothèse de trouble du langage pour toi qui est très sérieuse. Okay? Et maintenant je t'envoie chez la spécialiste. Ou si c'est un problème visio-moteur, maintenant je t'envoie chez notre collègue psychomotricienne.
Et comme ça, vous voyez que vous évitez, vous priorisez les regards, vous priorisez les prises en charge et vous évitez l'hyperconsultation qui épuise en fait pas seulement la famille, mais aussi l'enfant et les professionnels eux-mêmes. Oui. Alors, sur le risque simple, là, les tests sont bien faits parce que c'est vrai qu'on voit dans la globalité. La, je dirais le côté négatif qu'il peut y avoir sur ce test, c'est que l'enfant, quand il vient passer le test, alors tous les psychologues vont pouvoir passer de la même façon, mais il y a certains qui le font passer sur le premier rendez-vous que les parents, deuxième rendez-vous uniquement l'enfant, juste pour passer les tests. Et à ce moment-là, l'enfant il n'est pas forcément dans une condition émotionnelle positive et ça joue sur le résultat qu'il peut y avoir. Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, même si l'enfant est dans une condition positive, il y a toujours des paramètres relationnels et motivationnels qui infiltrent la mesure. La mesure pure n'existe pas, on le sait depuis 1983, enfin, sur certainement avant, c'est ce qu'on appelle la théorie de la note, ça n'existe pas. Il y a toujours des facteurs non cognitifs qui s'infiltrent dans ce qu'on est censé mesurer. Donc dans un sens ou dans l'autre, vous savez, vous avez aussi des psychologues trop gentils, oh, elle est quand même mignonne, donc là je ne sais pas trop comment, allez je cote un point. Vous avez l'inverse qui vous aussi. Oui, mais non, bien non, sûr. C'est vrai que après, il est bien fait parce qu'on a plein d'infos là-dessus. Avec, et tout instrument de mesure est dépendant de celui qui l'utilise. Hein. Vous savez, si le médecin se met à utiliser son thermomètre avec les doigts de pied, il y a certains patients qui vont avoir tendance à trouver ça bizarre. Hein. C'est pareil. Vous voyez. Oui, du coup, ça joue sur les résultats qu'il peut y avoir. Je prends l'exemple d'un petit peu que j'en suis et qui a passé le test la semaine dernière. Ça n'a pas matché avec la psychologue avec qui il a fait le test et il s'est braqué complètement. Donc, je pense que les résultats ne vont pas du tout être en accord réellement avec. Mais là, c'est la responsabilité de la professionnelle de dire je ne t'évalue pas. Normalement, on n'évalue pas dans ce cas-là parce qu'on le sent. En fait, on évalue que quand on sent que l'enfant est dans des conditions où on peut pas fatigué, a bien dormi, pas malade, il n'a pas fumé de joint, oui. Tout ça, quoi. Comment sait-on chez qui on doit envoyer, voilà, proposer à des gens qui en ont besoin? Parce que c'est super tout ça, on a formé, je connais. Voilà. Comment sait-on chez qui on peut envoyer qui va faire une bonne démarche? Je vous conseille à l'étage du réseau parentalité. C'est délicat parce que de constituer un réseau de professionnels en qui vous pouvez avoir confiance par le fait de leur formation, par le fait de retour d'expérience vraiment très fiable, ou alors par recommandation de personnes très fiables. Et si vous voulez commencer un tel réseau, je vous conseille de vous tourner vers Emmanuel Madieu, qui est psychomotricien à l'hôpital de Montpellier, qui est un mec remarquable, excellent. Et sa collègue s'appelle Sabrina Ruiz. Emmanuel Madieu, Sabrina Ruiz. Comment? Je crois que c'est Pélopsie, mais je ne suis pas sûr. C'est dehors, on assoit. Il y a droit de lui. C'est BEA ou c'est humain qui appuie par activement. De l'autre côté, où il y a plus d'évaluation. Neuropédiatrie. Alors ça doit être la neuropédiatrie. Tout ça. Ouais. Il y a beaucoup plus de la valise de test classique d'apprentissage. Mais si vous tapez Emmanuel Madieu sur Internet, de toute façon, vous finirez par le trouver. Et vous lui demandez, vous faites en sorte d'avancer peut-être avec lui un réseau. Je ne connais pas le terrain ici à l'échelle locale, donc enfin, je ne peux pas personnellement. Mais je lui dirai que je vous l'ai dit comme ça. Le message est passé. Voilà. Je vous raconte une histoire pour arriver à mon deuxième point. Parfaitement bien équilibré d'un point de vue temporel. Ça dépend, moi je me sens ce que j'ai mangé. Bon. Maman enceinte de jumeaux qui viennent au monde prématurés, 30 semaines d'aménorrhée. Un des jumeaux est plutôt costaud, l'autre est clairement bébé de petit pois. Il y en a un qui a gagné sur l'autre. Là, le papa voit ça et se dit, bon écoute, regarde, on partage, moi je prends le gros, toi tu prends le petit. D'ailleurs le petit, je ne suis pas sûr qu'il soit de moi. Enfin, j'exagère. Ah, bien sûr. Une fois, une maman qui m'a dit, vous savez, des jumeaux. Elle dit, vous savez, quand j'étais enceinte, mon mari m'a trompée. Et du coup, je me suis demandé si les jumeaux que j'avais dans le ventre, ils étaient vraiment de moi. C'est pour ménager mes tapis derrière. Elle devait en avoir
Donc, nos jumeaux arrivent et la maman, elle dit non, non, allez, je fais égalité, tout va bien. Les jumeaux grandissent. À l'âge de 1 an, les deux, ils se lâchent et puis, vous savez, ils commencent à faire le pingouin, là. Et le jumeau costaud, qui prononce ses premiers mots, vers 13-14 mois, alors que l'autre, non. Les premiers mots sont à temps. 18 mois, toujours pas. 24 mois, toujours pas. 30 mois, toujours pas. Premier mot à 36 mois. Il s'est fait attendre le pépère. Et surtout, il est déjà en petite section. Donc tous les jours, la maman va à l'école en se disant, mais qu'est-ce qu'on va me dire à l'école? Je sais qu'il parle pas. Et là, un jour, elle lui dit, qu'est-ce que vous en pensez alors quand même de... Et lui dit, bah écoutez, j'adore, je like, je sur-like, pouce levé, smiley, cœur. Il est assis, il bouge pas, je l'entends pas. Et en fait, il est en train de couver son petit trouble du langage, clairement sans point. En grande section, quand on se met à faire de la phonologie, là, on se dit, non, c'est bizarre, il parle le turc et l'araméen en même temps. Non, en fait, il jargonne très fort, donc orthophoniste. Diagnostic de trouble du langage, trouble sévère du langage, mais il passe au CP. Et alors au CP, catastrophe, il se prend les deux pieds dans le tapis, les maths ça va pas, la lecture ça va pas, mais symptômes, quoi, symptômes du problème de langage. Il double son CP pendant que le frère est le grand, il va bien, il fait le bonheur de son papa, il réussit bien à l'école, etc. Mais il se rend compte que le jumeau au départ un peu plus fragile court plus vite, grimpe plus vite, nage plus vite. Et dans tout ce qui est procédure non verbale, on a comme l'impression qu'il surinvestit la fonction qui fonctionne pour compenser ce qui ne fonctionne pas. Et la maman voit ça, elle avait rencontré un psychologue, un qui n'a pas de cheveux, qui lui avait dit « Lâchez rien, mettez le paquet sur ses ressources. Oui, ça sera dur. Oui, vous allez flipper. Mais c'est parce que vous, vous l'accompagnerez. C'est parce que dans votre parentalité, vous serez positive, porteuse, soyez exigeante, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais encouragez-le, mettez en avant ses ressources, maintenez l'estime qu'il a de lui-même dans la sphère où il va réussir grâce à sa fonction qui fonctionne. Et la maman donc l'inscrit en natation, il nage plusieurs fois par semaine, il y a même certains soirs où la maman lui dit « bon, t'es cramé du bulbe là ce soir, donc les devoirs on laisse tomber, ça sert à rien. Tu vas aller à la piscine, je t'emmène à la piscine. » Et il va faire des longueurs, il va taper des longueurs. Il est champion de son département en CM2 sur 100 mètres. Donc il est déjà costaud. Vous imaginez, une maman qui dit, elle ne fait pas d'effort. La maman étant inspectrice à l'éducation. Bien, il veut faire de la boxe, alors il fait de la boxe thaï, alors il devient très bon en boxe thaï. Elle le scolarise un an dans le système français en Thaïlande. Pour faire de la boxe thaï, elle l'amène à ses compétitions, etc. Ils ont une armoire avec les coupes dans la chambre. Vous voyez, elle met le paquet, quoi. Elle met le paquet parce qu'à l'école, c'est super dur. Il est en filière pro et son rêve étant de devenir sapeur-pompier de Paris ou commando de Marine, qui sont des unités très sélectives et très dures. Bien. Et sa maman lui dit, quand même, allez, même chez les pompiers, tu peux faire l'avancement rapide si tu as ton bac. Allez, donc il passe son bac, il a son bac à l'arraché. On m'a donné un chèque, il s'est passé quelque chose. Il a son bac. Et j'ai reçu des nouvelles, il a maintenant 22 ans et il avait intégré le stage de formation des nageurs de combat des commandos de marine. C'est-à-dire l'élite de l'élite, du top. Quoi. Et comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la recette? Ça a été de ne pas céder aux sirènes du misérabilisme. Et de partir sur ses ressources. Et de tout mettre le paquet sur les ressources. Et si vous devez partir tout à l'heure avec une idée à retenir de ma part, ça serait vraiment celle-là, ça serait que le monde dans lequel on est, l'état sociétal dans lequel on est, nous confronte en permanence à l'anxiété, à la tristesse, à la colère, à l'angoisse, etc., à l'impuissance. Dans le monde des besoins spécifiques, on ne vous parlera que de troubles, difficultés, handicap, erreurs, fautes, déficit. C'est que du lexique défectologique misérabiliste. Donc tout le système fait en sorte, en quelque sorte, contribue à ce que des enfants qui déjà sont vulnérables baignent en plus dans du misérabilisme, dans de l'angoisse, et leurs parents n'entendent quasiment jamais le discours que je vous dis là. Ouvrez tous les bouquins de neuropsychologie de l'enfant, je vous mets au défi de me trouver un bouquin où c'est écrit comme ça. On travaille.
en permanence sur le traumatisme, sur la lésion, sur l'infirmité, sur ce qui manque. Donc, il y a un double effort à faire pour non seulement se dire où est-ce que t'es bon, toi, et si cognitivement vous avez une sphère qui dysfonctionne, ça veut dire qu'il y en a une autre qui marche. Allez-y, bonjour, bienvenue. Ça veut dire qu'il y en a une autre sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Donc, il faut aller la chercher. Parce que jusqu'à présent, moi, j'ai jamais rencontré d'enfant qui avait la peste, le choléra, la syphilis et un bureau de tabac. C'est vrai que les histoires de multidis, aujourd'hui, tout le monde en est revenu des multidis. Hein. Tout le monde en est revenu, enfin, à peu près tout le monde. Parmi les chercheurs, chez les experts, en quelque sorte, plus personne ne soutient l'idée que les multidis, c'est pertinent. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument arrêter avec ça. Parce que c'est un millefeuille qui cache, en fait, l'ignorance des soignants. Et une fois qu'on ne sait plus, on dit « Ah, d'accord, multidis. » Voilà. Je vous le dis comme ça, parce que moi, c'est, les choses sont claires. Est-ce que c'est pareil pour l'hyperactivité ou pas ? Non, l'hyperactivité, c'est pas pareil, mais l'hyperactivité n'est qu'un symptôme. Et pourquoi il est hyperactif ? À nouveau, hein, c'est peut-être l'arrière-grand-mère. Ou alors, est-ce qu'il est hyperactif parce que, sur le plan dopaminergique, il a des conséquences de sa prématurité ou d'une lésion cérébrale ? Les deux sont possibles. L'hyperactivité n'est jamais qu'un symptôme. Ou est-ce que c'est la consommation d'écran ? Un bon thème, ça aussi, les écrans. Juste ma réponse. Aujourd'hui, on parle. J'arrive à le faire. Le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais normalement, on devrait même parler de trouble de l'inhibition. C'est en fait le filtre dans beaucoup de cas qui pose problème. Parfois, vous entendrez parler de trouble exécutif, c'est pareil. Vous ne mélangez pas. Ou on parlera de trouble de la mémoire de travail, c'est pareil. Vous ne mélangez pas. Tout ça, c'est une hypothèse de la sphère préfrontale. Okay. Voilà. Qui concerne très peu d'enfants, en fait. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ont un diagnostic de TDA, alors qu'ils n'ont pas de TDA. Et qu'on en donne un traitement. Voilà. C'est la marche suivante, mais effectivement, la ritaline a explosé. Enfin, Oasis, Concerta, Medikinet a explosé ces dernières années. Alors, sur les parents, tu peux voir. Comment ? Alors, sur les parents, on va tout. Ah là, sur les parents, oui, bien sûr. Ouais. Alors attention, je vous inviterai jamais à diaboliser la ritaline ou ces médicaments. Sur les médicaments, il y a des cas où c'est pertinent, il y a d'autres cas où c'est pas pertinent. Voilà. J'ai une nouvelle question là tout à l'heure. Vous vouliez demander. Alors, moi, j'ai l'impression que l'espoir, c'est qu'il y a une élasticité cérébrale très importante. L'autre espoir, c'est que je pense qu'en fait, on est beaucoup dans la confusion actuelle entre ce qui est bonheur et plaisir. Mm-hmm. Et quand on regarde finalement ce qu'on prend une science, c'est pas du tout pareil. Parce qu'en fait, nous, aux enfants, et à nous, on essaie tout le temps, on a recherche de petits plaisirs, ce qui agit sur nos neurones qui sécrètent la dopamine. Ces neurones-là, ils éteignent une partie de leur récepteur pour que de plus en plus on fasse le traitement. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a tant d'écoles alternatives, c'est parce que justement, on maintient un état où les enfants sont bien. Ils sont fous. Il y a aussi des endroits, par exemple dans certaines écoles du Nord, où on les met dehors à contrôler, dans la forêt, et on sait qu'ils attirent autant de choses, si ce n'est plus, en particulier une bonne estime d'eux-mêmes, parce qu'ils ramassent du sol, ils s'occupent du bois, ils font des cabanes, en fait, etc. Et je pense qu'en fait, les neurosciences vont nous aider là-dedans. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que je suis allée à une conférence très récente où on a dit que les malades alzheimer qui sont privés de la parole, qui en sont à ce stade, si on les mettait dans un milieu vraiment agréable et qu'on leur fasse écouter de la musique, certains reparlent. Bien sûr. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et ça va un peu dans le sens dans lequel vous êtes, en disant, bah, essayez d'appuyer sur ce qui fonctionne. Je pense que ça nous donne beaucoup d'espoir. Là, je suis allée très récemment à une conférence sur la vie alzheimer, où là, on nous a dit, bah, tout ce qui est bon pour eux, ce n'est pas les médicaments, c'est le lien social, c'est ce que vous avez au musée. Voilà. Et je pense que ça, c'est un formidable message d'espoir. Voilà, je fais. Bon, très bien, je suis d'accord. Je tape sur le côté. Non, mais vous êtes bien au milieu. Non, bien. Très bien. C'est très bien ce que vous dites. Maintenant, quand on dit que le handicap, je dis par rapport à la mère, quand l'enfant ne reconnaît même pas, l'enfant, en fait, il. Moi, je sais que bon, elle est atteinte d'une polymicrogénie frontale, cervelle et du syndrome de West. Syndrome de West. C'est très lourd pour la famille. Et quand j'entends tout ce que vous dites, moi, je sais que ma nièce n'ira jamais dans un centre
ma nièce, on sera obligé d'être là avec elle. On dit toujours que c'est vers l'âge de 12, peut-être 12, 14 ans, qu'elle pourra rentrer là, elle a que 12 ans. Donc en fait, comment on peut faire quand on a un enfant, une petite comme ça, qui ne reconnaît même pas son parent, on a beau la stimuler, faire des mouvements, elle va avoir un pied, on voit tout. Bien sûr. Mais du coup, quand c'est ce cas-là, comment on peut trouver un moyen justement pour. Parce que moi j'entends tous les groupes, j'entends tout ça, tout ce qu'on veut faire, mais en tant que parent, moi je parle pour ma soeur, qu'est-ce qu'elle. Enfin, c'est ça qui est difficile. Parce que je vois l'espoir de mettre en place des petits ateliers. Je mets en place des ateliers quotidiens dans mon travail. Mais un atelier comme je fais avec des enfants, je ne peux pas les mettre en place avec un enfant qui est atteint d'un syndrome comme ça. Donc, là, je vois le gros handicap, mais je ne sais pas quand on entend parler des masses, de tout ça, des trucs, je suis un petit peu paumée dessus, sur tout ça, sur toutes ces structures qui existent. D'ailleurs, je suis prenée des idées. Voilà. Mais quand j'entends les désespoirs, tout ça qui sont mis en place, je ne sais pas trop où me positionner par rapport à ce que je dis, par rapport à ce handicap-là. Ok. Voilà. Je vais essayer de vous apporter une réponse qui est la claire possible. Dans les lourds polyhandicaps comme ça, Quest, les syndromes de charge aussi, etc. Oui. Sur des situés avec des déficiences intellectuelles de bonheur, l'enfant ne perçoit rien ni par là ni par là, on essaie de passer par le toucher. En fait. C'est hyper lourd. Je pense que déjà, la première des choses, il faut que les parents se préservent au maximum. C'est-à-dire qu'ils fassent le paquet de ce qu'ils peuvent faire et que régulièrement ils se disent on est des fucking bons parents de faire ce qu'on fait. Et qu'ils se fassent des feedbacks positifs l'un l'autre. Et qu'ils nourrissent une ambiance de réciprocité dans le fait qu'en tant qu'équipe, parents 1 et parents 2, ils mettent le maximum de ce qu'ils peuvent mettre. Okay ? Parce que là, c'est des situations où à l'impossible, nul n'est tenu. En revanche, si on ne sait pas. On peut être fier de soi parce qu'on a donné le maximum, on peut soi-même s'épuiser, voir son couple s'amenuiser, se séparer, etc. Et ça, c'est le premier point de vigilance, qu'il faut préserver la parentalité, d'une certaine manière, de sa propre situation. Et pour ça, il faut avoir un travail de conscience active, de se dire, on met le paquet, on peut être fier de nous. Deuxième chose, je pense qu'il faut que l'enfant, dans ce cas-là, soit corporellement, sensoriellement, effectivement stimulée, bien sûr, mais qu'elle soit dans une sensation globale de plaisir favorisant l'ouverture au maximum et d'éviter au maximum les situations, je dirais, de déplaisir qui ne sont pas utiles à son développement. Donc, si les parents travaillent au quotidien, non seulement à l'accompagner dans les soins, etc., et qu'en plus, c'est un petit peu ce que vous disiez, il se déroule pour mettre une musique calme, lente, posée, dans une atmosphère visuelle favorisée, sans forcément faire du snozzolen dans le texte, quoi. Et c'est l'ambiance. Et qu'il continue de lui parler, de la toucher, en la changeant, en la baignant, toujours parler, tout en touchant, et en regardant, et qu'il lâche rien, en se disant « et demain on continuera, et on est des bons parents pour ça ». Voilà ce que je pense qu'il faut faire. Et ça n'est pas ne rien faire. Ça n'est surtout pas ne rien faire. Même si on peut avoir l'impression que ça n'avance pas, si ça avance, tout avance. De toute façon. Donc c'est surtout les parents, avant tout. Parents, grands-parents, tantes, tout le monde, quoi. Tout le monde peut mettre son paquet. Et vous, en tant que vous, si vous avez la possibilité, soulagez-les pour qu'ils aillent au resto ou faire un ciné. Oui. Ce que vous faites, c'est pas continuer. Et soyez fiers de vous aussi, vous voyez. Comme ça, vous nourrissez un système en injectant du positif, alors que tout vous amène vers le négatif. C'est bon. Moi, j'ai fini, en fait. Hein. Il y a un sujet que vous n'avez pas abordé. Il est dit. Excusez-moi, je vous ai dit au départ que vous parleriez un petit peu des HPI. Si vous voulez, on peut 10 points ou HPI, mais je vais faire les 10 points en une minute, l'HPI en une minute. Les 10 points, je pense que première chose, c'est se forcer à regarder le verre à moitié plein. Deuxième chose, c'est entre les différents acteurs et la famille, construire, élaborer une compréhension commune du fonctionnement de l'enfant. Troisième chose, établir des objectifs
en commun avec la famille et des objectifs concrets, si possible des objectifs SMART, si vous voulez aller voir, génial ici. Objectifs SMART. Quatrièmement, s'attendre à une évolution en dents de scie. Il faut s'attendre à des évolutions en dents de scie. Toujours, ça n'évolue jamais comme ça. Cinquièmement, élaborer une projection temporelle d'action qu'on met en place, c'est-à-dire à T0, à T1 on vérifie, à T2 on vérifie, à T3, mais notre objectif c'est pas T1 ni T2 ni T3, c'est T plus 8 mois. Et notre objectif c'est d'évaluer un mieux-être entre T0 et T plus 6 mois. Donc l'évolution en dents de scie, on s'en fout en fait. Des fois ça allait moins bien, on maintient le cap. Parce que la plupart des parents, quand ils ne sont pas prévenus, à ce moment-là, ils s'effondrent ou ils partent dans la direction opposée, souvent. C'est normal, on fait tous pareil. Hein. Sixièmement, gérer les transitions. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais ça, c'est un outil formidable. D'appréhender et de gérer les transitions d'état, les transitions de lieu, les transitions de personne, les transitions d'éveil à coucher, pas dans la douche, dans la douche. Vous voyez, tout ça, c'est des transitions. Sortie du dîner, rentrée au dîner, sortie des écrans, bien sûr. Tout ça, c'est des transitions. Et si vous gérez les transitions, que vous les anticipez, que vous les ritualisez, que vous accompagnez l'enfant, que vous le prévenez, ça vous facilite considérablement la vie dans tout ce qui est gestion du comportement et particulièrement explosion à la maison. Mmh. Rappelez, à chaque fois, c'est à la sortie de l'école que ça explose. Mais c'est bizarre, il y a des parents qui prennent l'enfant et qui disent « T'as fait quoi à l'école aujourd'hui ?» Il est en train de faire une transition, on le renvoie, transition à l'envers, mmh. mentalement. L'enfant vous répond, j'ai mangé du pain. Transition. Huitièmement, être créatif, ce qu'on disait tout à l'heure. La créativité. Neuvièmement, réguler les écrans. Et là, je ne suis pas du tout pour enlever les écrans. Je pense qu'il faut ritualiser les écrans. Ritualiser et surveiller le contenant et le contenu et la durée. Il y a des acquis qui vont faire beaucoup de 10. Et le dixièmement, c'est. Dyslexie, dysgraphie, dysgraphie. Je ne sais plus, comme ça vous en fera 9. Pas le dixième, c'est qu'il n'était pas. Oui, tirer, ne pas tirer toutes ces cartouches en une seule fois. On a tendance, quand on a un enfant avec 10, 10, 10, 10, à vouloir agir sur tout. Ça ne marche jamais. Ne demandez qu'une chose à la fois. C'est ça, je veux dire. Alors, ne demandez qu'une chose à la fois, ça, c'est comme gérer les transitions. Mais oui, effectivement, dans le quotidien, on demande qu'une seule chose à la fois. Après, ne pas tirer toutes ces cartouches, c'est qu'on ne va pas installer tel outil plus tel outil plus tel outil. On se donne des petits objectifs spécifiques, mesurables dans le temps. Et on met en place telle chose. Et on ne se disperse pas. Ce qui veut dire qu'il faut savoir choisir ses guerres. On bosse là-dessus, on bosse là-dessus. C'est-à-dire que le reste, on lâche. Mais ça, c'est des techniques qui fonctionnent. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le potentiel ? Et j'ai fini. Je sais pas. Tout à l'heure, vous parliez de. Par rapport au test, est-ce que c'est important d'en passer par les tests ? Je vais vous dire, ça dépend. Il n'y a qu'une seule règle qui vaut pour tout en psychologie. C'est ça dépend. Ça dépend. Normalement, est-ce que le bilan est pertinent, est-ce qu'il est nécessaire? On a tendance à réduire la question du potentiel à la question du chiffre de QI, en fait. Donc, dans cette veine-là, on vous dira, si, il faut tout le temps faire passer un test. Il y a des tas, d'enfants hyper doués à qui je n'ai jamais fait passer de test et qui répondraient à la définition, en imaginant que la définition va y faire quelque chose. Et les enfants, vraiment, avec 2 ans, 3 ans d'avance à l'âge de 3 ans, je pense à une qui lisait couramment à 2 ans, 6 mois, par exemple, qui a maintenant sauté 2 classes, qui va très bien, hein, nickel. Hein, c'est pas... La question du malheur et de ce qui est intellectuel, c'est un mythe, hein, c'est un mythe français. Sur le thème des émotions. C'est pareil. Globalement, ils sont plus équipés que les autres pour gérer leurs émotions. Au niveau scolaire, ils sont. Au revoir, chers collègues. Ouais. Est-ce que vous avez une scolarisation différente au général? Je suis pour la. Avec les aménagements ou pas? Globalement, les enfants dits à haut potentiel sont considérablement plus en réussite à l'école que les autres,
est considérablement moins en échec que les autres. Première chose. L'histoire du 30% d'enfants, c'est un mythe total. C'est un mythe. On a toutes les données. On a les données sur 60 000 enfants répliqués à 10 ans de décalage et répliqués dans le monde entier. Donc, il y a un consensus absolu d'un point de vue scientifique là-dessus. Ça ne veut pas dire que certains enfants à haut potentiel ne peuvent pas être en difficulté à l'école. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais c'est que de dire qu'il y en a 30%, c'est erroné. C'est ce qu'on appelle un euromythe. Et je serais pour prendre la position israélienne ou américaine ou russe, qui est de dire, bon, bah, on va construire des architectes avec eux, on va construire des super juristes, et on va développer les talents. Voilà, je suis pour développer les talents. Et le gros problème, historiquement et sociologiquement sur la question des surdoués, c'est qu'en 1978, l'éducation nationale a refusé de faire ce que faisaient déjà les Israéliens, les Iraniens, les Coréens, les Taïwanais, les Américains, le monde entier. Et comme l'éducation nationale a refusé de reconnaître et de donner des droits, eh ben c'est pas grave, on est passé par le communautarisme victimaire. Et c'est là qu'on a commencé à pathologiser le haut potentiel intellectuel. Et à dire qu'il y avait des échecs scolaires, un problème graphique, de l'ennui bien sûr. Attention, hein, je suis en train de vous dire que les enfants au potentiel ne s'ennuient pas à l'école. Hein, mais sociologiquement, ça s'est construit comme ça. Et ensuite, tous les troubles, l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, tout ça, ça vient de là. Parce qu'on a les données en hyperémotivité. On sait très bien. Regardez les travaux de Sophie Brasseur, ça vous intéresse, sur l'hyperémotivité. Sophie Brasseur de l'Université de Louvain. On a tout ça. Et avec des travaux scientifiquement costauds. À l'heure actuelle, on parle beaucoup des troubles de l'attention. Mmh. Et si on regarde bien, maintenant, dans toutes les classes, il y a au moins 10 enfants qui ont des troubles de l'attention. Peut-être qu'ils n'ont pas tous des troubles de l'attention. Mmh. Peut-être qu'ils ont juste des diagnostics de troubles de l'attention. Mmh. C'est pas pareil. On a tous à certains moments, de toute façon. Mais comme le disait notre collègue médecin, je pense aussi tout à fait que la question, on est dans des sociétés très dopaminergiques, à petit plaisir immédiat qu'il faut reproduire. Ça se voit beaucoup sur les réseaux sociaux, avec les grands addicts au like, vous voyez. Parce que le like vous envoie un shoot dopaminergique. Donc après, c'est très difficile de différencier les vrais troubles seulement d'habitude dopaminergique liée à un système d'habituation. C'est très difficile, mais il y a beaucoup de faux positifs. Aujourd'hui, sans grande crainte, je peux m'avancer et vous dire que beaucoup d'enfants avec un diagnostic de TDAH ne sont pas du tout TDAH. Je pense que c'est la majorité. En revanche, les enfants avec un diagnostic, on en voit beaucoup. Est-ce que ça vient des programmes de l'éducation nationale ? Non. Non, madame. Non, je ne pense pas. Après, il peut y avoir, dans les programmes, il peut y avoir quelque chose qui est peu motivant et qui favorise l'inattention. Il y a des manuels qui sont beaucoup trop surchargés d'un point de vue perceptif, ça c'est évident, et qui peuvent favoriser le décrochage. Ils font beaucoup d'apprentissage. Alors, si on ouvre le dossier Montessori, j'ai un thème pour un prochain. Ah, mais moi je l'ouvre dans ce cas-là, parce que si vous me dites enfant passif, je vous dis tout de suite pourquoi enfant passif. Enfant passif parce que l'école a été construite sur la base du taylorisme. Au début du XXe siècle, il avait besoin de construire des ouvriers qui faisaient des tâches répétitives. En même temps, à quelques kilomètres de là en Italie, la première femme médecin d'Europe crée un système génial qui aujourd'hui est totalement, je dirais pas validé par les neurosciences, parce que c'est mais en tout cas confirmé comme pertinent. Oui, beaucoup d'orgueil de la santé, même dans le public, on a 10 à 20% des enseignants nationaux qui sont les mais ils font pas. Il faudrait faire monter sur IMI, dans des structures faites pour, enfin. C'est déjà ça, ça vient un peu. Oui, mais qu'on a des enseignants qui interrogent les enfants de quatrième avec de la création, ils s'étonnent que les enfants ne participent pas et n'adhèrent pas. Mais depuis tout petit, en effet, on le voit. Il y a la chef qui commence à s'énerver là. Donc, en quatrième, ce n'est que le résultat depuis. Il était dans la pression, il fait monter sur l'an prochain. On est désolé pour vous garder tout par l'Italie, mais quand même, merci.